judge. And now we have someone who is no doubt going to be just as enlightening. JTI is going to introduce him. Unfortunately, we can't do the people's mic. First of all, he's an activist, and long-term activist, a militant. And he's also a mailman. He works as a mailman. And he's one of the spokespersons of the NPA, which is the new anti-capitalist party in France, which was born a couple of years ago. Olivier has been the youngest candidate to presidential elections in France in 2002. And he was again candidate in 2007. And I can say that he's probably one of the most well-known political personalities in France on the left, and especially anti-capitalist left. Actually came in these days in New York. This is his first time in New York, so he's also having some fun, or trying to have some fun, despite of the jet lag. But actually the purpose of his visit was exactly to show support to the Occupy Wall Street movement. So actually he would have been also in the body park if there were still a functioning occupation there. But he's here to support the occupation of this space and in general the student movement. So, and he's going to speak, he apologizes, but he's going to speak in French and he's going to be D'abord, que je commence par m'excuser. First, I have to begin by excusing myself. Je suis un internationaliste inconséquent puisque je ne vais pas parler en anglais. He's an internationalist and he won't be speaking in English. Mais si je parlais avec mon anglais horrible, but if he spoke with his horrible English, et mon terrible accent français, and his terrible French accent, j'aurais peur de casser votre mobilisation. You'd be worried about destroying your mobilization. Et votre espoir dans l'humanité. And your hope in humanity. Apporter un message de soutien et de solidarité, évidemment. He's just come here, of course, to offer a message of support and solidarity. Je suis pas là pour apporter la bonne parole ou donner des leçons, c'est pas notre genre. He's not here to kind of give a good speech and explain how things should be. Au contraire, on est là comme militants pour apprendre de vos mouvements. On the contrary, we're here as militants to understand from each other. Et voir comment on peut, nous, de l'autre côté de l'océan, and to see how we, on the other side of the ocean, prendre le meilleur de vos luttes pour faire nos propres mobilisations. Can take the best of your struggles to help in our own mobilizations. Et la première chose que je voulais vous dire, mais vous le savez déjà, c'est que vous n'êtes pas seul. The first thing I want to say, although you already know it, is that you are not alone. En Europe, et notamment en Grèce et dans l'État espagnol, le mouvement des indignés se développe encore. In Europe, as well as in Greece and in Spain. And in Spain, the movement of the indignados, of the those who are indignant, has already begun. Il y a des grosses mobilisations en Grande-Bretagne. There are large mobilizations in the UK. Et tout le monde regarde ce qui se passe ici. And everybody is looking at what's going on here. Même en France, even in France, votre mobilisation fait beaucoup parler. Your mobilization is the subject of a lot of talk. Et pour nous, c'est très important. And for us, it's very important. Parce que je viens d'un pays qui est réputé pour sa nourriture et ses révolutions. Since I come from a country known for its food and for its revolution. Malheureusement, ces derniers temps, la France fait plus parler de sa nourriture que de ses révolutions. But unfortunately, these days, France is more talked about for its food than for its revolutions. Elle fait aussi un peu parler de sa French touch au Fonds monétaire international. It's also spoken about for its French touch in the IMF. Plus que ses luttes et ses mobilisations pourtant. More than for its struggles and its mobilizations. La question de l'éducation et des universités, elle est centrale actuellement en France. The question of education and of universities is central in France today. On avait un service public de l'éducation en France. We had a public service for education in France. Qui a été attaqué par des politiques libérales. It was attacked by liberal politics. Né par des gouvernements de droite comme de gauche. Both from the right and from the left in government. Et qui a eu comme conséquence l'autonomie des universités. The consequence is that the autonomy of the universities et la compétition, la concurrence des universités entre elles and the rise of competition between the different universities et la conséquence à l'heure où je vous parle en France and the consequence at this moment in France c'est qu'il y a plusieurs universités qui sont en défaut de paiement. There are a number of universities which are unable to make their payments. C'était quelque chose qui aurait été inconcevable il y a encore quelques mois en France. Just a few months ago, this would have been inconceivable. Donc tout ça pour vous dire que les luttes que vous menez sur le terrain de l'éducation ici,
All this to say that your struggles on the terrain of education here, on les regarde de très très près. We're looking at them very closely. Et ce qu'on aimerait nous, c'est voir comment on peut tisser des liens, coordonner nos actions au niveau international. We would like to see how we can weave links with you and to coordinate our actions internationally. Comment il peut y avoir plus de liens entre votre mouvement, how we can have more links between your movement, votre occupation ici, your occupation here, le mouvement des étudiants en Grande-Bretagne, the student movement in the UK, en Grèce, en Espagne, en France, etc. In Greece, in Spain, in France, etc. Comment on peut montrer qu'il y a un visage commun de tous ces étudiants qui luttent face aux tenants du néolibéralisme. How we can show that all these students fighting against neoliberalism have a common face. Donc la première chose, c'est que vous n'êtes pas seul. La deuxième, c'est que même si vous n'êtes pas seul, vous avez une responsabilité particulière. The first is that you're not alone. The second thing is that even though you're not alone, you have a particular responsibility. Parce que ce combat que vous menez contre les inégalités sociales, because this struggle that you're waging against social inequalities, contre les injustices démocratiques du système, against the injustices of the democratic system, contre les dégâts du néolibéralisme, against the destructions wrought by the neoliberal system, vous, vous le menez dans le cœur de la bête, dans la gueule du monstre. You're fighting it in the heart of the beast, in the jaws of a monster. Et pour le monde entier, and for the whole world, New York, Wall Street, New York and Wall Street, c'était la place symbolique, it was the symbolic place, d'un capitalisme qui était universellement déployé depuis 30 ans. Of a capitalism that was universally deployed over the past 30 years. D'un système économique qui a été présenté par les tenants de la pensée unique. Of an economic system that was presented by those who held the pensée unique, or the hegemonic thought. Au début des années 90. At the beginning of the 1990s. Comme l'horizon indépassable de l'histoire. As the ultimate horizon of history. Le dernier chapitre de l'histoire. The final chapter of history. Et les mêmes qui ont tenu ce discours dans les années 90. And those very ones who had this speech and this discourse in the 1990s parlent maintenant d'une crise systémique. Speak right now of a systemic crisis. C'est-à-dire d'une crise qui est capable d'emmener le système comme un château de sable en quelques jours. That's to say of a crisis that can bring the system down like a castle made of sand. Comme horizon indépassable de l'humanité, on fait plus solide quand même. As the ultimate horizon of history, we should make something a little bit more solid. Depuis 2008, la crise elle est globale maintenant. Since 2008, the crisis has become worldwide. Elle concentre toutes les contradictions du système capitaliste. It concentrates all the contradictions of the capitalist system. La crise financière, the financial crisis, la crise écologique, the ecological crisis, d'un mode de consommation et de production qui est à bout de souffle, of a form of consumption and production that is now out of breath, et puis une nouvelle distribution entre les puissances impérialistes, and a new distribution between the imperialist powers. Dans ce nouveau monde qui est en train de voir le jour, in this new world that is being born, les politiques libérales, en plus d'être injustes, liberal politics, in addition to being unfair and unjust, et je voudrais juste insister là-dessus, elles alimentent la crise économique elle-même. And I want to insist on this, they feed the crisis itself. Elles ne sont pas simplement révoltantes parce que c'est 99% contre 1%. It's not just a revolt because it's 99% against 1%. Elles sont révoltantes parce qu'elles décuplent les effets de la crise de la dette à chaque fois. There's revolt because the crisis of debt is each time getting worse. Les plans d'austérité, les plans de rigueur qui sont menés partout, the austerity plans that are being implemented everywhere, privent les moyens, privent la population des moyens de consommer ce que la société produit. Deprive society of the means of consuming what society produces. Les gens n'ont plus de revenus, plus de salaires. People no longer have income, they no longer have salaries. Ils sont endettés. They're in debt. Donc de toute façon, on peut les taxer. So no matter what, we can still tax them. Il y a plus d'argent qui rentre dans les caisses de l'État puisque les gens n'ont plus d'argent. There's no more money going into the coffers of the state because there isn't any more money out there. Par exemple, j'ai eu une discussion avec un indigné en Grèce. For instance, I had a discussion with an indignado in Greece. Qui expliquait qu'en quelques mois, who explained that in a few months, il est passé de 1800 euros, he went from 1800 euros, à 900 euros, to 900 euros. Avant, il n'était pas imposé. Il n'était pas taxé. Before he wasn't taxed. Et maintenant, il est taxé. And now he's taxed. Ce qui prouve qu'en plus d'être injuste, which proves that in addition to being unjust, vous pouvez taxer quelqu'un qui gagne pas d'argent. Il n'y a rien qui rentre dans les caisses de l'État. You can tax somebody who doesn't have any money, and that doesn't bring any money to the coffers of the state. Donc les déficits augmentent. So the deficits increase. Donc la dette augmente encore. And so the debt increases as well. Et on est dans cette situation là. And we're in this situation. Je crois que je termine là-dessus. I think I'll end on this. On est vraiment en train de vivre un moment historique. We're in the midst of living an historical moment. Où on est à la croisée des chemins, une heure de vérité.
We're at a crossroads, at an hour of truth. Même les marchés financiers, parce que des fois on les croit. Even the financial markets, because sometimes we believe in them. Disent que les politiques des pouvoirs publics ne fonctionnent plus. Say that public policies are no longer working. Tout ce qui a été mis en place depuis 2008, depuis la crise des subprimes. Everything that's been done since 2008 and since the subprime crisis. Pour empêcher la crise financière d'exploser. To prevent the financial crisis from exploding. N'a pas fonctionné. Has not worked. Les plans de sauvegarde des banques n'ont pas fonctionné. The plans to save the banks have not worked. Et du coup, on est en ce moment précis à l'heure de l'explosion de la crise financière. And all of a sudden, we're in this moment here at the explosion of the financial crisis. Et la seule question politique, politique au bon sens du terme, qui se pose, and the only real political question, political in the right sense, c'est qui paye la facture de la crise. Is who's paying the bill for this crisis? Soit les marchés financiers, soit les populations. Either the financial markets or the people. Mais ce sera soit l'un, soit l'autre. It'll be one or the other. Et nous, on croit à un mouvement social qui se reconstruit sur la base des expériences actuelles. We believe in a social movement that rebuilt itself on the basis of real experiences. Et qui réussit à réhabiliter en son sein, à l'intérieur de ce mouvement lui-même, and that is able to rehabilitate in its own core, un nouveau projet de société, a new project for society, qu'il faut réinventer, that we must reinvent, qu'il faut redéfinir ensemble, that we must redefine together. Parce qu'on sait qu'il n'y a pas de modèle de société clé en main, ça n'existe pas. We know that there isn't already an existing model for society. On a eu des sociétés capitalistes et des sociétés bureaucratiques dans les pays de l'Est. We've had capitalist societies and bureaucratic societies in Europe of the East. Et dans les deux cas, c'est une minorité qui décide pour la majorité. In both cases, it's a minority which decides for the majority. Une minorité de riches dans un cas. The minority of the rich in one case. Une minorité d'apparatchiks dans l'autre. A minority of apparatchiks in the other. Et la seule société qu'on n'ait pas inventée, c'est la société où ce serait la majorité qui déciderait pour elle-même. The only society we haven't invented is a society where the majority would decide for itself. Donc voilà pourquoi il y a beaucoup de travail devant nous. This is why we have a lot of work. Mais nous, on est super enthousiastes en regardant votre combat. But we're incredibly enthusiastic watching your struggle. Je veux pas, comme on dit en français, vous cirer les chaussures. I don't want to say, as they say in France, to wax your shoes. Mais je crois que vous n'imaginez pas à quel point on regarde au-delà des frontières votre propre combat. But I don't think you realize the extent to which we're looking beyond our borders to your own struggle. Chaque jour que vous tenez ici à New York dans votre combat, every day that you hold together in New York in this struggle, c'est des milliers de raisons supplémentaires que vous donnez au-delà des frontières pour continuer à lutter. You give thousands of reasons beyond our borders for us to struggle as well. Et vous nous redonnez nous de la force dans nos propres comment dire, vous nous redonnez confiance dans nos propres forces. You give us back confidence in our own struggles. Dans les doutes qu'on a eu nous ces derniers mois et ces dernières années, notamment en France. Despite the doubts that we've had in the last months and over the last years in France. Parce qu'on a mené des luttes, mais on en a perdu beaucoup. Because we've led a lot of struggles, but we've lost a lot as well. Mais comme je le disais, on est dans un pays où il y a déjà eu des révolutions. But as I was saying, we're from a country where there had been revolutions. Donc je voudrais juste terminer avec une citation d'une révolutionnaire française connue, une femme, Louise Michel. So I'd like to end with a citation, with a quotation from a well-known French revolutionary, Louise Michel. Et qui avait cette belle phrase au moment de la Commune. Who had this beautiful phrase in the moment of the Commune. Elle disait, nous sommes le nombre immense. She said, we are the immense number. Qui ne connaît pas sa propre force. That doesn't know its own force. Et je crois que c'est une belle devise pour votre combat et pour le nôtre. And I think it's a good epigraph for your combat and for ours. Voilà, je vous remercie et merci pour la traduction. Now we have, I think, plenty of time. I don't know if anyone knows what's next in this space, but we have some time at least for question and answer. So I'll facilitate and Daniel will translate. Any questions or comments? Maybe because there's bread over there. Okay. Dan, introduce yourself. My name's Dan. I'm a student at NYU. I wanted to ask, there's been a lot of discussion right now in the US about whether the movement, the Occupy Wall Street movement, needs to enter politics. And in what form.
And you know, I think it would be a terrible idea for the Occupy Wall Street movement to be co-opted by Democratic Party. But I know that in France, you've been active in in the formation of an anti-capitalist political party, right? The new anti-capitalist party. And I'm wondering if you could explain how that came about and share some of the lessons from that for us here as we think through these questions of what politics this movement should have. So we take a few, or should we take a few? Okay. Well, thank you so much. That was amazing, even in a different language. But following up from that, it seems to me that there's a question of, the struggles, for example, in Europe, in places like Greece, have been amazing and inspiring. And there's a question of political representation and a political strategy in the grand sense. And it seems to me that, this past week in Greece and Italy, where governments fell partially because there was so much opposition to austerity, but now they're going to be replaced with new governments that possibly are even worse and are trying to push through the austerity harder. Can you say something about how we? I mean, clearly there's a sense that you can't just return to the past, but people don't know exactly how to move forward. So old models are dead, but people don't know where to go. Can you say something about how to overcome this? Well, tell us how to overcome this crisis of political representation and vision. Yeah. There's a lot of discussion concerning the current political environment about the need for a relationship between the different protests. But at the same time, I feel like there's a bit of a danger in comparing, say, Greece to New York, and that it kind of generalizes what's actually happening there, and it fails to recognize that these movements are in fact distinct. And I wonder. I guess I was wondering, I know that a lot of people in France are very supportive of the movements going on in Greece, but I guess I was just wondering, I'm Greek and I have some friends in Greek who are Greek French and are very active, but I was just wondering how, in a more popular sense, how does that support become visible in France, or how is it shown, or how is it shared, how is it taken place? So we've had this movement going on for the past 2 months, and I would close with a quote from a leader of the French Commune movement, if I'm not mistaken, that which I assume was regarding or was spoken in regards to the power of centralization, the power of territory, the power of occupation. And I would love to hear your thoughts on what the dislocation, the deterritorialization of Zuccotti Park and the dispersion that's gone on since Thursday even, when at the last big rally, what the effects of this might be. Here we are, of course, but this is a very small number relative to what we've been dealing with for 2 months prior in Zuccotti. And I wonder if you think it'll amplify and assist, or perhaps put the movement in peril. D'abord sur ça, c'est pas moi de le dire. First of all, on your question, it's not for me to say. Je crois qu'il faut vous connaissez mieux que moi toutes les bonnes raisons de vous mobiliser. You know better than I do all the good reasons for which you're mobilizing. Et vous êtes mieux placé que n'importe qui pour savoir comment mener votre propre combat. You're better placed than anybody else to know how to lead your own struggle. Et ça répond aussi un peu à ta question. Les combats, il n'y a pas un combat qui se ressemble exactement. Il n'y a pas de combat exportable.
this answers a bit your question as well. The struggles are not all the same. There's no one struggle that can be exported to other places. Chaque combat est particulier. Every combat is particular. C'est à vous de vivre votre propre expérience à partir de Wall Street, cette occupation entre guillemets historique que vous êtes en train de faire ici. It's up to you to live your own occupation based on what's going on Wall Street and in quotes, this kind of historic moment based on your own actions. La seule constance, c'est de garder un lieu collectif de structuration démocratique à la base. The one constant thing is to maintain one collective place with a democratic decision-making structure. Peu importe où elle a lieu, mais qu'il y ait la structuration démocratique à la base. It's less important where it happens than that there be a truly democratic structure at the base of it. Donc il n'y a pas d'exemple tout fait. So there's no example that's kind of already pre-made. Votre mobilisation n'est pas tout à fait celle de la Grèce. Your struggle is not exactly the one that's going on in Greece. Ni celle de l'Espagne, etc. Nor is the same as the one in Spain, etc. Mais il y a un point commun. But there is one common point. Essentiel. It's essential. C'est que toutes ces mobilisations, it's that all these struggles and mobilizations, elles ont lieu dans le cadre de la crise d'un système depuis 2008. They're on the basis of a crisis of the system in 2008. Dans les particularités de chaque pays, in the particularities of each country, il y a un adversaire commun qui est en train de se dessiner. There's one common adversary that is in the middle of revealing itself. Parce qu'en Grèce aussi, ils ont le 1%. Because in Greece as well, there is a 1%. En France aussi, on a le 1%. In France as well, we have a 1%. À l'échelle internationale, il y a le 1%. At the international scale, there is a 1%. Et en plus, si on les oublie, and if we forget them, ils se rappellent à notre bon souvenir. They remind us of them. Et ils se réunissent au sommet du G20 à Cannes. And they du G20. Oh, and they meet together at Cannes for the G20. Pour dire, c'est nous les puissants, on est là. To say we are the powerful, we are here. Donc le problème, c'est de faire émerger au-delà des frontières. So the problem or the challenge is to create beyond borders. Un mouvement commun. A common movement. Qui respecte, et t'as raison, les spécificités de chacun. Which respects, and you're totally right, the specificities of each part. Tu as raison là-dessus, mais au-delà des frontières. You're right about that, but beyond borders. Je dis ça parce qu'en Europe, il y a un risque politique en ce moment. I say that because in Europe, there's a political risk at this moment. C'est le retour au souverainisme. The return to sovereignism. C'est le retour au nationalisme. The return to nationalism. Au protectionnisme. To protectionism. L'idée qu'en gros, les peuples peuvent se protéger les uns des autres. The idea, basically, that people can protect themselves, the one or the other. Ça, dans la longue histoire du mouvement social et du mouvement ouvrier. In the long history of social movements and of workers' movements. Ça, c'est un poison. This is a poison. Qui distille toujours la même réponse au bout de course. That always leads to the same answer at the end of the time. C'est qu'à la fin, c'est les populismes qui gagnent. It's that at the end, it's the populisms that win. Les xénophobes qui gagnent. The xenophobes that win. Et pire, nous en Europe, on le voit, les racistes qui gagnent. And worse, we in Europe see, it's the racisms that win. Donc je crois que plus que jamais, il faut être internationaliste. So I think that from now on, we must always be internationalist. Et je dis ça parce que c'est pas spontané, c'est pas naturel. And I say this because it's neither spontaneous nor natural. Mais il faut prendre du temps pour le faire. And it takes time to do it. En respectant les identités. Respecting the identities. Mais sur la base d'initiatives concrètes, par exemple. Mais sur la base d'actions concrètes. But on the basis of concrete, specific actions. Par exemple, je crois que s'il pouvait y avoir un appel commun de tous les étudiants qui se mobilisent aujourd'hui. For instance, I think if there could be a common call of all the students who are mobilizing right now. Le premier appel mondial des étudiants qui résistent au néolibéralisme. The first international call of students who are mobilizing against neoliberalism. Je crois que ce serait utile pour tout le monde. I think it would be useful for everybody. Pour vous ici. For you over here. Pour les Grecs là-bas. For the Greeks over there. Et pour nous en France. And for us in France. La deuxième chose, c'est sur la question qui est un peu commune, c'est le rapport finalement entre les mouvements et la politique. The second thing, ultimately, is this question posed about the relationship between movements and politics. L'autre point commun de ce mouvement, the other common, de tous ces mouvements, the other common point of all of these movements, et d'ailleurs qui symbolise par le fait de l'occupation, and which is symbolized by the fact of occupation, c'est qu'il y a autant de social que de politique dans ce mouvement. Is that there's as much social as there is political in these movements. Mais pas la politique de parti. But not the politics of institutional parties. Dans tous nos pays, il y a des millions de personnes. In all of our countries, there are millions of people. Des millions de jeunes, des millions d'exploités, d'opprimés. Millions of young people, of exploited people, of oppressed people. Qui n'arrêtent pas de dire, il n'y a aucun parti qui nous représente. Who will not stop saying, there is not a single party that represents us. Ils le disent dans les facultés. They say it in the universities. Ils le disent au café. They say it in the coffee shops. Ils le disent dans le métro. They say it in the subway. Ils le disent tout seuls devant leur télévision. They say it to themselves in front of the TV. Mais le problème, c'est qu'on règle pas cette dimension politique-là. And the problem is that we don't deal with this political dimension. Et je crois que l'enjeu démocratique, c'est le suivant.
And the democratic engagement is the following. Soit ces centaines de milliers de personnes qui se mobilisent actuellement. Or the question is the following. Either there are hundreds of thousands of people who are mobilizing right now. Continuent à demander aux partis institutionnels de les représenter. And they could continue asking political parties to represent them. Alors que ces partis institutionnels ne veulent plus le faire. Although these institutional parties don't actually want to do this. Soit ces mouvements-là. Or these movements. Sous leur propre contrôle. Under their own control. Élaborent ou cherchent à élaborer des solutions politiques. And they look to find their own political solutions. Et des solutions politiques, ça veut dire des réponses immédiates à la crise. And political solutions means to look for des réponses immédiates à la crise. An immediate response to the crisis. Est-ce qu'on laisse la finance faire la loi? Do we let finance make the laws? Qu'est-ce qu'on fait des services publics? What do we do with public services? Etc. Et discuter aussi d'un projet de société. And also discussing a project for society. Pour résumer les différentes questions, et nous, ça a été un peu la démarche du NPA. To summarize these questions, and for us at the NPA, which is the French Anti-Capitalist Party. Et c'est super compliqué parce qu'au NPA, on a des débats qui font mal à la tête. It's very complicated because at the NPA, we have debates that give us a headache. Et il faut un plan de métro pour se retrouver dans nos débats internes. And we need a subway map to find our way amongst all these internal debates. Mais en tous les cas, notre philosophie générale, ça a été la chose suivante. But all that said, our general philosophy has been the following. C'est que pour nous, il y a un rapport complémentaire entre le social et la politique. For us, there's a complementary relationship between the social and the political. Il y a un rapport dialectique, pour utiliser les grands mots, entre le social et la politique. To use the very big words, we have a dialectical relationship between the political and the social. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rapport hiérarchique entre les uns et les autres. In other words, there's no hierarchical relationship between the two. Le social, c'est pas simplement la rue. The social isn't just the street. Et la politique, ce serait pas les choses sérieuses, donc les institutions. And politics isn't just serious things, and therefore institutions. Votre mouvement à vous. Your movement. Comme le mouvement des indignés en Europe, like the movement of the indignados in Europe, crée probablement de la politique pour des dizaines de milliers de personnes, creates politics for tens of thousands of people, de façon plus efficace que bien des partis ont réussi à le faire. In a far more effective way than parties have been able to do. Donc le problème, c'est pas de faire de démagogie, so the problem is to not do demagogy, mais c'est d'essayer de comprendre comment on peut renouer avec un projet d'émancipation. We're trying to understand how we can get back into an emancipatory project. Et dans l'histoire, les projets d'émancipation, ils tombent pas du ciel. And in history, projects of emancipation don't just fall from the sky. Ils sont le fruit de nos propres expériences collectives. They are the fruits of our own collective experiences. Comment on fait pour organiser la démocratie jusqu'au bout? How we organize to take democracy right to the end. Résister à tous ceux qui seront avec vous. To resist along with all the other people who are with you. Mais qui vous diront à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. But who will say to you at a certain point, at this point, you have to stop. Parce que maintenant, les choses sérieuses commencent. Oh, well, sorry. Yeah. Because now the serious things are beginning. Because the people who tell you that after a certain point, there will have been enough resistance, because after that point, you get serious. Donc je termine là-dessus, voilà. Pour nous, la politique, elle est autant dans ce que vous faites que dans ce qu'on fait, nous, là-bas. So I'm here to say the politics is as much what you're doing here as what we're doing over there. I'll say it in English after this. En vous écoutant, je suis d'accord sur tous les points. Je me demande seulement une chose. C'est vrai, bien sûr, que le 1%, il est partout. Même si en tant que catégorie, ça ne représente pas une classe. En réalité, on devrait peut-être plus parler d'un système. Et on constate parfois, même dans nos... Sur le tard qu'on a évacué, qu'il y a une vraie anti-politique qui se manifeste aussi parmi nous. Et même si le 1% il est fixe, le 99%, il se manifeste parfois avec, par exemple, des pancartes. Je ne m'oppose pas au capitalisme, je m'oppose seulement à la démocratie des excès de la population. Je me demande seulement combien de temps, puisque vous faites partie du parti anticapitaliste qui se définit de façon plus claire que ce nuage, 90%, combien de temps peut-on rester comme ça, sans définition par rapport au capital et par rapport à la question de l'identité. So yeah, my question is just in terms of the definition 99%, how long can it survive as a concept without defining itself in relation to capital?
to summarize. Collect more. Right? Anyone else? Yeah. Is it an unhealthy dynamic to, in regards to the 99% versus 1%, is it an unhealthy dynamic to create this antagonist, this opposition in our movement? Or is this something that can continue to fuel us in the long term, or is it something we should eventually let go of? You mean the antagonism of the 99 to the 1? Yeah. No, the 1 to us. C'est une question assez spécifique. Comment est-ce qu'on peut des suggestions concrètes pour construire cette région internationale? Par exemple, on sait bien qu'on doit faire des connexions entre nous et les autres mouvements d'étudiants autour du monde. Mais c'est juste pour demander des suggestions stratégiques, tactiques, pour qu'on puisse mieux nous coordonner avec eux. Ouais, je voudrais bien demander comment, si vous avez des suggestions. The question is what actual concrete suggestions you would have for building an international student movement. We all know that we have to do it, but as a political organizer, what suggestions you might have tactically? On the political level, the anti-capitalist party is beautiful, I think, and is an excellent coordination of many different anti-capitalist substrands. I'm wondering if you have any concrete suggestions on how to ensure the productivity of multiple different political standpoints, all of which may be opposed to the capital. Can you say the last part of your question again? So there are multiple different ways to think that capital is bad. I'm wondering how political unification under a rubric of an anti-capitalist larger umbrella, you know, works. I mean, some concrete suggestions. My question was about the weakness of the French organization now regarding to the more strong mobilizations a few years ago in France and Je vais faire en français d'abord, en anglais ensuite. J'aimerais avoir votre avis là-dessus. Une des faiblesses qui me semble des mouvements comme ça, qui se veulent prendre 99%, c'est qu'ils ne semblent pas, ils ne semblent toujours pas émerger de projets de société alternatifs clairs par rapport à ce qu'on a. Et j'aimerais savoir dans ce contexte-là, combien de temps est-ce qu'un mouvement comme celui-là ou comme d'autres mouvements peuvent survivre s'ils n'ont rien d'autre, s'il n'y a rien de concret qui peut être proposé comme alternative en parlant de projet de société. So the question was about the project society, the society, a project for a society, and the movement, the 99% movement doesn't seem to have a concrete project to contrast with the capitalist project that is ongoing now. And I was wondering how long could a movement like that survive without suggesting something else or something different for society. D'abord, pour la première question, c'est pourquoi c'est moi qui suis ici et pourquoi c'est pas vous qui êtes là-bas, c'est-à-dire pourquoi en France ça va pas. So this first question about why I'm here and why you guys aren't in France talking about the weakness here. En France, on a payé une défaite qui a été on a eu une
On a eu quasiment une grève générale contre un plan qui était un plan sur les retraites. In France, we're dealing with a defeat. We practically had a general strike against the pension reform. On a été des millions et des millions dans la rue. We were millions and millions in the street. Mais on a eu des directions syndicales. But we had orders from the unions. Qui nous disaient, on a été 3 millions, il faut qu'on soit encore 3 millions dans 15 jours. They said, there's 3 million of us, we need to be another 3 million in 15 days. Et 15 jours après, ils nous ont dit, on est 3 millions, faut qu'on soit encore 3 millions dans 15 jours. And after those 15 days have passed, they said, we're 3 million, we have to be in 3 million more in 15 days. Et nous, ce qu'on disait, c'est qu'à un moment donné, on aurait bien fait pendant 3 jours de suite d'être 3 millions de suite, mais 3 jours successivement. But we were saying it would have been better to just have 3 million a day, 3 days in a row. Parce qu'on avait un problème politique. Because we had a political problem. C'est qu'on avait un gouvernement qui nous disait vous pouvez être autant que vous voulez dans la rue. You can be in the streets as much as you want. Je retirerai pas ma réforme. But we won't withdraw our reforms. Donc la question qui s'est posée dans notre mouvement, so the question that we asked ourselves in our movement, ça a été à un moment donné d'utiliser le seul argument que les capitalistes comprennent. It was to figure out how to use the one argument that capitalists actually understand. C'est de bloquer l'économie, which is to block the economy, de paralyser complètement l'économie, to completely paralyze the economy, pour qu'ils soient obligés de retirer le plan, so that they would be forced to pull the plan back. Il n'y a pas eu la maturité politique pour le faire à ce moment-là. There wasn't the political maturity to do it at that moment. Et du coup, ça a amené de la démoralisation. And therefore, this brought us a lot of demoralization. La deuxième raison qui fait qu'on n'a pas ça encore en France, the second reason that we don't have strength like this in France, c'est quand on voit le degré d'agressivité des plans d'austérité en Espagne ou en Grèce. Is that when we see the degree of aggressiveness of the austerity plans in Greece and in Spain? On comprend qu'en France, on en est qu'au début, en fait. We see that in France, we're just getting started. Mais ça veut dire que c'est devant nous. But that means that it's before us. Et il y a évidemment les élections qui aident pas la mobilisation. And of course, elections aren't going to help our mobilizations. Mais des fois, en France, ça peut être le bordel. Donc les luttes peuvent s'inviter aussi dans les élections. Sometimes in France, it can all go nuts, and the movements and the struggles can invite themselves to the elections. Parce qu'on reste un pays où on est clair, où il y a le bordel généralisé régulièrement en perspective. But we remain a country where we have the generalized chaos all the time. Donc tout ça pour dire que les éléments, les ingrédients qui fait qu'il y a ces mobilisations-là, on les retrouve dans chacun de nos pays. All this is to say that the ingredients that we need for these kinds of mobilizations, we find them in each country. Mais il y a un vrai enjeu, c'est que quand on a une crise de l'ampleur actuelle, but the thing is that when we have a crisis of this enormity, politiquement, ça peut produire le meilleur comme le pire. Politically, this can make the best as the worst. Le meilleur, ce serait des luttes collectives victorieuses. The best would be successful, victorious social movements. Qui permettent de redéfinir un nouveau projet d'émancipation. Which would allow us to redefine a new project of emancipation. Le pire, c'est qu'il n'y ait pas de victoire. The worst is that there is no victory. Et quand l'absence de ces victoires, c'est le chacun pour soi qui reprend le dessus. And in the absence of these victories, it's each one for himself, which becomes dominant again. Donc on se trompe de colère. So then we make a mistake about what to be angry about. On s'en prend pas au 1%. Instead of being angry at the 1%. Mais on s'en prend aux immigrés. We become angry at the immigrants. Etc, etc. Donc c'est une course de vitesse qui est engagée. So it's a race that's going on. Pour savoir qui va gagner. To see who will win. On a cette responsabilité commune. We have this common responsibility. Du coup, même les actions concrètes, elles peuvent avoir un sens concret, enfin comment, plus important que ce qu'on peut croire. So in this moment, concrete actions can be even more important than we would expect. Sur les étudiants, je parlais par exemple d'un appel. So with respect to students, I was speaking of a call. D'utiliser encore et encore plus Internet. To use the Internet more and more. Mais mieux, d'envoyer des délégations. But even better to send delegations. Parce que des fois, il n'y a rien qui remplace les discussions en live. Sometimes there's nothing that replaces a live discussion. Et ça, il faut prendre le temps de le faire. And that it takes time to make this work. Parce que quand on est dans une grève, dans une lutte, et c'est normal. When we're in a strike or when we're in a struggle, it's totally normal. On a le nez dans le guidon. We have le nez dans le guidon. On regarde, comment dire. One becomes self-referential, so it's not able to look what is going on outside. On est pris par une multitude de tâches. We're taken by a multitude of tasks. Et du coup, d'aller voir les autres, c'est toujours compliqué. And to go see others, it always becomes complicated. Mais il faut toujours prendre le temps de le faire. We always have to take the time to do it. Par exemple, en France, on a une délégation d'étudiants chiliens. For instance, in France, we have a delegation of Chilean students. Qu'on fait des réunions qui ont été extrêmement importantes pour nous. They've set up meetings that have been incredibly important for us. Et si on arrive à renforcer ces liens-là, if we're able to reinforce these links, on pourra peut-être avoir un jour, we could maybe one day have, la première grève mondiale de l'histoire des étudiants.
The first worldwide strike of students in history. Mais je dis ça sans rire parce que... Ces perspectives-là, avant, c'était une vue de l'esprit. But I say that without laughing because before these perspectives were a kind of dreamy thing. C'était un fantasme de militant révolutionnaire il y a une vingtaine d'années. It was the fantasy of a revolutionary militant 20 years ago. Maintenant, c'est un objectif concret sur lequel on peut militer. Now it's a concrete objective that we can fight for. Sur le deuxième aspect, c'est toujours un peu sur l'anticapitalisme. And the second aspect, again, on about anti-capitalism. D'abord, faut pas avoir peur de l'antagonisme. First of all, don't be afraid of the antagonism. Le 1% contre les 99%, il faut le dire, le redire et le re-redire. The 1% against the 99%, we have to say it over and over and over. Alors c'est vrai que ça résume pas toutes les contradictions de classe. It's true that this doesn't summarize all of the class contradictions. Mais ça a un mérite essentiel. But it has one essential value. Que le mouvement ouvrier, la gauche au niveau international, avait laissé de côté. Which is what the workers' movement and the left had left along the side internationally. C'est de reprendre la force du nombre, reprendre contact avec la force du nombre. Which is to make contact once again with the strength of numbers. Pour parler clair, to speak clearly, je crois qu'il y a une vision politique héritée notamment du stalinisme. I think there's a political vision which we've most importantly inherited from Stalin. En tous les cas, en Europe, c'est évident. Certainly in Europe, this is the case. Qui donnait une vision de la classe ouvrière très restrictive. Which had a very restricted notion of what the working class was. Du prolétariat très restrictif. A very restricted notion of the proletariat. Le prolétaire, fallait qu'il ait un bleu de travail. The proletarian had to be wearing a work shirt. Fallait que ça soit un homme. Had to be a man. De préférence syndiqué. Ideally in a union. Et c'était très très restrictif. And it was extremely restricted. Or, d'un point de vue marxiste, j'espère que vous n'allez pas tous partir. But from a Marxist point of view, and I hope you don't all leave. Le prolétariat, c'est ceux qui vendent leur force de travail manuelle ou intellectuelle pour vivre. The proletariat are those who sell their labor power, be it intellectual or physical. C'est ceux qui sont obligés de vendre cette force de travail pour vivre. Those who are forced to sell their labor power to live. Ça veut dire que dans l'histoire du capitalisme, this means in the history of capitalism, et c'est un grand paradoxe ce que je vais dire, and what I'm about to say is a great paradox, le prolétariat n'a probablement jamais été aussi nombreux. The proletariat has probably never been as numerically large. Mais il a jamais eu aussi peu conscience d'exister. And it's never had as little consciousness of its own existence. D'où le travail de conscience collective. Hence the work of collective consciousness. Un projet d'émancipation qui renoue pas avec ça, c'est un projet d'émancipation qui est mort-né. A project of emancipation that doesn't take this up is a project of emancipation that is born dead. Et pour moi, je pense que, comme je disais, faut pas faire de démagogie. And for me, as I was saying, it's very important not to be demagogical. Le mouvement pour le mouvement, ça suffit pas. Movement for movement's sake isn't enough. Parce qu'il y a des moments de reflux politique. Because there are moments of political reflux. Quand il y a de la lutte, des assemblées générales, tout va bien. When there are struggles in general assemblies, it's all going well. Tout le monde a la pêche, tout le monde a confiance. Everybody's fishing, everybody feels good. Donc tout le monde est là pour discuter. Everybody's happy. Donc tout le monde est là pour discuter. Le problème, c'est quand on commence un peu à perdre. The problem is when we start to lose a little bit. Vous verrez, il y aura beaucoup moins de monde dans les assemblées. You'll see there will be a lot fewer people in the assemblies. Et ces moments de reflux politique, and these moments of political sort of backtracking, et sociaux, ils sont essentiels à gérer. They are essential to manage these moments. C'est même plus important à gérer ces moments-là. It's more important to manage these moments. Que les moments d'euphorie et d'enthousiasme où tout va bien. Than the moments of euphoria and enthusiasm where everything is going well. Parce que dans les moments d'euphorie, on a besoin de personne pour faire. Tout le monde se propose pour faire des banderoles, tenir des meetings, etc., etc. In the euphoric moments, everybody's willing to sign up to do some kind of work. Donc un mouvement, il a besoin de mémoire et de constance. So a movement needs memory and it needs de permanence, de continuité. Et on va pas sortir de la crise comme ça. Donc ça veut dire concrètement, et je termine là-dessus, que le mouvement a besoin d'organiser ses propres lieux de mémoire et de continuité pour discuter ouvertement des questions politiques. Pour répondre à la question du NPA et les différentes familles de l'anticapitalisme. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur des différences de point de vue sur l'anticapitalisme. We can't be afraid of having different perspectives on anti-capitalism. Chacun a son histoire, chacun a sa famille, chacun a son héritage politique. Each one has its own story, its own history, its own heritage, and its own sort of political family. Il y en a qui vont venir du courant libertaire. There are those that come from a more libertarian side. D'autres de courants communistes anti-staliniens.
Others from anti-Stalinist communist currents. D'autres de mouvements tiers-mondistes. Others from third worldist movements. D'autres de l'écologie radicale, peu importe. Others from radical ecology movements, it doesn't matter. Il y en a surtout qui n'ont pas d'héritage politique du tout. There are even those that have no political ancestors. Et qui pensent qu'il faudrait une autre société que le capitalisme. And think we need another society than the capitalist one. Et c'est tout cela et toutes celles-là qu'il faut essayer de regrouper. And it's all these people and all these groups we have to bring together. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus d'histoire. It doesn't mean we no longer have a history. Ça ne veut pas dire qu'on pense que tout ce qu'on a écrit avant, ça n'existe pas. It doesn't mean we think that all we've written before no longer exists. Mais ça veut dire qu'il faut écrire une nouvelle page de l'histoire. It means we have to write a new page of history. Et je crois que là, il n'y a pas de place pour le sectarisme et le dogmatisme par rapport à ça. And there, there's no room for sectarianism or for dogmatism. Parce que le mouvement anticapitaliste international, malheureusement, il a plus souvent fait parler de lui pour ses divisions que ses rassemblements. Because the international anti-capitalist movement has been more often known for its divisions than for its unity. Donc c'est aussi pour ça que le mouvement actuel, il nous donne de la force. That's also why the present movement is giving us strength. Donc je crois qu'on peut faire les deux. Discuter de questions stratégiques concrètes. So I think we can do both. Discuss concrete strategical questions. Des questions de pouvoir. Questions of power. Des questions de propriété. Questions of propriety. Donc des questions qui touchent à ce qu'on veut faire. Questions attached to what we want to do. Avec des réponses claires sur ce sujet-là. With clear answers on these questions. Je prends qu'un exemple. Take just one example. Dans le mouvement altermondialiste, il y a eu une illusion. In the alter-globalization or anti-globalization, we sometimes call it, there was an illusion. L'illusion qu'il fallait contre le néolibéralisme. The illusion that we needed to control neoliberalism. Il fallait simplement un peu plus d'intervention de l'État. We just needed a little bit more state intervention. Que l'État allait faire fuir le libéralisme comme la lumière fait fuir Dracula. That the state would make neoliberalism go away the way that light sends Dracula away. Sauf que là, depuis 2008, except that since 2008, on a vu que les capitalistes peuvent parfaitement s'accommoder de l'État. We can see that capitalists are perfectly fine with the state. Quand l'État trouve des centaines de milliards d'euros et de dollars pour renflouer l'économie, il n'y a pas de problème. When the state finds hundreds of billions of dollars to patch up the economy, there's no problem. Donc ça veut bien dire qu'il faut faire autre chose, par exemple. So we have to do something else. Okay, I think we'll take one more round of questions. I mean, I could listen to Olivier all day, but we should probably wrap up soon. So I have Arya, and then feel free to raise your hand while others are talking. I think we'll take maybe four or five questions, and then we'll... Exploitation. No. Good job, please. I had a specific question regarding your party's position to the upcoming French elections, the next ones, and will you be participating in the elections? And if you are, will your party support the Socialist Party in these elections? Speak English. And French, but I will try in English. Horrible accent, thank you. Well, you can say it, and if you want, you can say it in French, and then say it. It's all right. They speak in French. I will try to speak in English. I would like to ask you how you can still believe in a collective action when the ultra-liberal and capitalism system push the individualism to such a point that globally, Western country, and here especially, have accepted all what they accept for the last 20 years. And I come back to the altermondialist fight that you were talking about at the end of the 90s, that start from Seattle here, but that also has been killed by what happened here on the 9/11. From this time, anybody contesting the Western capitalist system was very quickly put in a position where it couldn't contest anymore. 10 years after terrorism decade is finished, this fight is coming back. How can we believe in collective action when in fact for the last 20 years we saw only many individual people? So, we've been talking a lot about building numbers and building a lot of critiques lacking by Wall Street about gender lines, racial lines, how communities of color can't participate, this kind of thing. So how would you, and also gender issues, the divisions of gender. I see that most people ask questions today, other males, just observations. So I just wonder how we can cross these lines, you know, make sure that those intersectionalities are taken into account. How do we address that without destroying the movement? A couple more minutes?
Yeah. So many movements of the left in the last year have been defensive, defending pensions, defending the rights workers unionize, defending the welfare state. How do we transition to be more aggressive rather than just defensive? Last question, and then we'll give it back to the group. If anti-capitalist party is planning alternative financial system or economic relations among individuals and as a collective, in the immediate future, what would that be and what could that possibility lead to? So just financially, not political or something, but it's related mostly financially. I think that's it, unless anyone has any burning questions. Ouais, oh, oui, oui. Et après, je vous laisse travailler parce que vous avez des choses sérieuses à faire. Yeah, it's time to leave you to get on with your important work. D'abord, sur nous, on n'a pas de projet de société clé en main. We don't have a fully formed vision of an alternative society. On a quelques idées. But we have several ideas. Je pense que le problème, c'est comment dire, la matrice du système capitaliste, c'est un système où on crée les richesses d'abord et on se pose la question de l'attribution de ces richesses ensuite. The capitalist matrix for society is one in which you create wealth first and ask yourself about the distribution and justice of that wealth later. La loi du marché, son logiciel, c'est ça. The law of the market and its inherent logic is simply that. Donc on crée quitte à faire du gaspillage. Yeah, so it's almost a logic for creating wastage. À faire le réchauffement climatique. For making climate change. Et en même temps la pauvreté. And to, you know, throw poverty in there. Donc je pense que la vraie proposition ce serait de changer de logiciel. So the only proposition is really just to change logics entirely. C'est de partir de la satisfaction des besoins de l'humanité. To start from the principle of satisfying people's needs. Partir d'abord de ça pour ensuite établir les richesses qu'il faut construire. Beginning from that principle to then build the systems and alternatives. À la hauteur de ce que les gens ont besoin. At the level of the things that people need. Et à la hauteur de ce qui est raisonnable pour l'environnement. And at the level of what ecology demands. Mais ça veut dire toucher à la question de la propriété. And that means honing in on the question of property. Et comment la gauche peut être offensive, justement, c'est reparler d'un tabou politique qui est celui de la propriété. In terms of how the left can move from being defensive to aggressive, it's about breaking into that taboo around the question of property. Et les capitalistes ont distillé un venin dans nos têtes, ils nous ont mis de la merde dans nos têtes. Capitalists have introduced a kind of poison into our minds. Ils ont mis à pied d'égalité la propriété individuelle. They've put on an equal footing the idea of private property. Individual property. Posséder, je sais pas, une voiture, une maison familiale. Having a car or a house of your own. Avec la propriété collective des moyens de production. On an equal footing with the collective ownership of means of production. C'est-à-dire à qui revient le fruit du travail de tous. That is to say, the ownership of the common fruits of production. Et dans la société capitaliste, le fruit du travail de tous est volé par une minorité. And in a capitalist society, the fruits of common production are simply stolen by a minority. Et c'est ça qu'il faut changer. And that's what we need to change. Donc au moins deux domaines concrets. So, within the two discrete domains, l'urgence économique et l'urgence climatique, the crisis of the economy and the crisis of ecology, c'est de mettre par exemple sous contrôle public le secteur bancaire et le secteur énergétique. It is firstly to put under common ownership the le secteur bancaire et le secteur énergétique. The banking sector and the sector of energy production. Exproprier tous les intérêts privés de ces secteurs-là. Expropriate all private interests in those two domains first. Donc ça, c'est deux exemples concrets. So those are two concrete examples. Mais ça veut dire que dans le camp anticapitaliste, in the anti-capitalist camp, il faut être aussi décomplexé que les capitalistes le sont actuellement. We have to be décomplexé. À l'aise. Yeah, we have to be as, yeah.
as cool as the as relaxed about ourselves. Et moi, je crois, par rapport à ta question, je pense qu'il y a quand même beaucoup de chemin qui a été parcouru. And in relation to your question, there have actually been lots of different trajectories pursued within the left. C'est clair qu'il y a plein de difficultés. There are lots of difficulties involved. Et que le capitalisme est largement nous met, comment dire, nous tape beaucoup plus qu'on arrive nous à le taper. And of course, it's true that capitalism fucks us far more than we are currently able to fuck it. Mais que de chemin parcouru par rapport au début des années 90. But there have been so many trajectories pursued since. Moi, j'ai commencé à militer au début des années 90. J'ai commencé à militer au début des années 90. I started militating at the beginning of the 1990s. Se revendiquer anticapitaliste à l'époque, c'était un gros mot. But that said, at the time, it was an incredibly big thing to call yourself an anti-capitalist. T'étais pas d'accord avec le capitalisme, t'étais forcément renvoyé au bilan du RSS. If you weren't okay with capitalism at the beginning of the 1990s, you were put under the file of the Soviet Union. Tu pouvais être libertaire, guévariste, trotskiste, on te renvoyait à ça. You could be a libertarian anti-capitalist or a trotskyist or an ecologist, but you would still be called a Soviet. Et aujourd'hui, on a un mouvement international où on n'arrête pas de parler du capitalisme. And right now we have an international movement that does talk about capitalism constantly. Et même sur son propre terrain, pour être un peu gonflé, pour être un peu provocateur. And even talking about it on its own terms, to be provocative. Tu parles de la question de l'individu, par exemple. L'individualité. You mentioned the question of the individual. Pour moi, renouer avec un projet d'émancipation. Tying together a project of emancipation. C'est penser qu'il y a un rapport complémentaire entre l'individualité et le collectif. It's thinking that there is actually a complementary relationship between the collective. And the individual. Pour moi, l'anticapitalisme, c'est pas un communisme de caserne, comme on dit. For me, anti-capitalism, non, quelqu'un d'autre? It doesn't mean to have all the same ideas, and it's not like some kind of homogeneous opposition to anti-capitalism. Individualities exist. Et il faut renouer avec une certaine tradition libertaire, même sur ce terrain-là. Yeah, and we do have to connect with a certain libertarian tradition. Et pas laisser l'individualité au seul capitaliste, d'ailleurs. And not leave the question of the individual. Parce que le capitalisme crée des aspirations et des besoins chez les individus. Because capitalism creates aspirations and desires and needs in individuals. Que le système n'est pas capable de satisfaire. Which the system is not capable of satisfying. Donc la contradiction actuelle, c'est pas simplement capital-travail. So the contradiction is not simply between capital and labor. C'est capital-individu. It's actually capital. Capital-environnement. Capital-individual, capital-environment. Donc tout ce qui fait qu'on pose des questions globales dans un mouvement, je crois qu'il ne faut pas en avoir peur. Yeah. So everything that brings us to identify contradictions and global questions, we shouldn't be afraid of those. Je termine avec le moins enthousiasmant, c'est-à-dire la campagne électorale française. I'm going to close with the question closest to my immediate needs, the electoral race in France. Bon, nous, on a fait un choix majoritaire dans notre mouvement de se présenter aux élections. So we collectively decided we got a majority in the NBR to participate in the election. Il y en a dans notre mouvement qui sont pas d'accord avec ça, mais there are plenty mais pour eux c'est pas grave. Within our movement who aren't okay with that, but it's not important. Pour nous, c'est l'occasion de s'adresser à des millions de personnes. For us, the question is to address millions in France. Et de confronter nos propositions politiques à la réalité du grand nombre. And to put our politics in confrontation with the biggest numbers. Moi, je viens d'une organisation politique qui avait plein de qualités. I come from an organization that has many qualities. Mais qui évoluait quand même dans des petits cercles. But which, for a long time, evolved within minoritarian circles. Et en se présentant aux élections, on a appris à présenter simplement nos solutions anticapitalistes. Yeah. And in the task of presenting ourselves for a national election, we learned how to express ourselves in the simplest way possible. Et ça nous a permis d'obtenir deux choses concrètement. And it allowed us to obtain to obtain two important things. La première, c'est de montrer que mine de rien, il y avait des gens qui adhéraient à nos idées. It actually showed us that there were loads of people with us. On a eu à deux reprises 1,5 million de personnes qui ont quand même voté pour nous. À l'échelle de la France, ça fait pas mal. Yeah, it actually occurred. We actually found that 1.5 million people voted for us.
Et la deuxième chose, c'est que ça nous permet de, d'être un grain de sable dans le système institutionnel. And it allowed us to be a thorn in the side of the establishment. Puisqu'à chaque fois, on présente des militants qui ne sont pas des politiciens professionnels. Each time that we put forward a politician who is not a politician. Moi, je suis toujours facteur aujourd'hui, postier. Olivier, I'm still a mailman today as well as a politician. Et c'est comme postier que je me suis présenté, comme travailleur que je me suis présenté deux fois aux élections. And it was in, you know, as a mailman that I presented myself at the election. Cette fois-ci, c'est un ouvrier de l'automobile. This time it's an automobile worker. A car engineer. Et à chaque fois la campagne électorale, ça nous permet de dire aux politiciens professionnels. And in and every time we do this, the election campaign allows us the NPR to say to the political establishment. De leur dire bien en face, mais de quoi vous parlez? Vous connaissez pas nos vies. To look these guys in the eye and say, what the fuck are you talking about? Vous parlez de nous, mais vous connaissez rien de nos vies quotidiennes. You talk about us and you know nothing about our daily lives. On vous a appris des choses sur des petites notes. We've taught you how to play this game with little sort of briefings and notes. Mais vous savez pas ce que c'est galérer pour un logement ou galérer pour un boulot. But you don't know what it's like to struggle for your very accommodation or your for your bread. Donc ça règle pas tous les problèmes. So what we do doesn't, you know, resolve all the problems. Ça crée même certaines illusions. Je pense qu'il faut être honnête. Ça crée certaines illusions aussi. It does what we do also creates certain illusions about us. C'est-à-dire que le regard, par exemple, vis-à-vis de, par exemple, de moi, il a changé au fur et à mesure. So the less idea of who I am has changed over the course of the years. Il y en a beaucoup qui pensaient que j'étais plus un travailleur qui tenait tête aux politiciens. Some thought of me as a worker who. A worker who, who told the capitalists to go fuck themselves. Mais je devenais un responsable politique auquel ils s'habituaient. And that I'd actually become someone whom they all could get used to. C'est pour ça que la seule garantie dont on s'est donné, je termine là-dessus, so the last thing I'm gonna say, c'est de tourner, que ça soit jamais les mêmes qui se présentent. Is we need to rotate this electoral game. We need to have a rotation. Et la deuxième, par rapport à ta question. And the second thing, c'est d'avoir une indépendance totale vis-à-vis des partis institutionnels. Y compris des partis de gauche. And that includes the parties of the left. Nous, on est contre la droite. We are against the right. À 100%. Of course, même pas 99%, à 100%. No, even 99%. 100% against the right. Sarkozy, on ne peut plus le voir. Sarkozy, I can't look at his face anymore. Mais la gauche au pouvoir en France. La gauche, le PS au pouvoir en France. Yeah, the party in power in France right now. Fera la même politique qu'en Grèce ou dans l'État espagnol. Would do the same thing as the party in power in Greece or Spain. C'est pour ça que nous on dit on est une autre option politique. That's why we say we're a third option, another option. Et on leur dit que si Sarkozy est battu. And we tell them that if Sarkozy is defeated at the election. Et qu'ils sont au pouvoir. And that they're in power. Cette fois-ci, ils auront une opposition à leur gauche. Yeah, that this time round they'll have an opposition to the left of them. Une opposition sociale et politique. An opposition that is both social and political. Voilà, mais bon, c'est les élections françaises, ça vaut ce que ça vaut. So yeah, that's it. French politics, you know, it's worth. But the second part, I'm sorry, is that so will you or will your party not support the Socialist Party? No. It's a clear answer. Clair et net. Thank you very much. Okay.